magazine. C'est votre club et nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette journée de samedi, parce que nous sommes samedi à Kinshasa, mais ça va être diffusé jusqu'à lundi matin. Ce rendez-vous qui vous permet de prendre la température de ce qui se passe en RDC, température naturellement distillée par les grosses signatures ici. Je vous avais promis la semaine dernière que nous allons quand même zébrer l'émission. Oui, une femme nous a retrouvés aujourd'hui. Nous allons essayer de décortiquer l'actualité de la semaine avec elle. L'actualité dominée essentiellement par les élections. Oui, les élections, n'en déplaise à ceux qui pensent que ça n'aura pas lieu. Oui, ça a déjà commencé parce que la CENI a déjà reçu les partis politiques habilités. La CENI a aussi publié ce qu'on appelle le fichier et qui va servir de base. Mais entre-temps, la classe politique est en train, en ébullition. Joseph Kabila consulte sa majorité, parce qu'au sein de la majorité, il y en a qui ont écrit, d'autres aussi attendent de savoir des choses peut-être qui ne sont pas dites. Alors il les écoute encore. Peut-être l'opposition bientôt, la société civile passe par là, tous ici dans une ambiance digne de chez nous. L'autre sujet, c'est la communauté internationale, avec le FMI qui était chez nous par son numéro 2. Le numéro 2 qui a dit à ma tata, je suis impressionné par la croissance, on aimerait bien participer aussi à cette croissance congolaise. Ma tata a dit merci, mais il attend du cash, qui viendra peut-être le cash de l'Union Européenne par un autre officiel de l'Union Européenne qui était à Kinshasa. Lui préfère attendre l'année prochaine pour l'élection présidentielle et législative. Peut-être là, ils auront de l'argent, mais comme l'Europe est en crise, combien des centaines de millions d'euros pourront être déversés dans ce pays. Donc, vous avez vu que c'est tellement immense l'actualité. Nous revenons avec les hommes qui font l'actualité ici, pour ne pas dire qui décryptent, comme Paul Diakessé. Bienvenue, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Paul Diakessé, la star. Nous ne sommes pas permanents. Arrêtez de vous autoflageller parce que vous êtes les chouchous. Oui, bon, pas seulement à Djobourg, mais au campus de Kinshasa. Oui. On signale d'ailleurs aux étudiants de l'IFASIC que nous allons tenir une grande conférence là-bas pour parler des Télé 50, du club. Ils ont pris le club pour un sujet de fin d'études, de mémoire là-bas, nous allons en parler. Mais Paul Diakessé, qui est le chouchou des étudiants en ce moment, comment expliquer au campus de Kinshasa? C'est dangereux. Dès que le club commence, on attend soit Paul Diakessé, soit... Bon, il n'est pas là aujourd'hui, Daniel Saf. C'est dangereux de tels compliments, parce que... Non, ce n'est pas des compliments, ce sont des constats. Il ne faut jamais donner l'impression à ceux qui le suivent que nous sommes là pour plaire à leur désidératin. Parce que nous serons déçus, parce qu'on sera... on ne sera pas dans la même logique qu'eux. C'est-à-dire, il faut dire que nous ne sommes pas là pour plaire, ni déplaire, mais on fait notre travail. Je regardais les sites de Internet de la chaîne tout à l'heure, parmi les questions qu'on nous a posées, on a demandé à Paul Diakessé quelle sera sa position pendant les élections, la campagne électorale. Il va plaider pour qui? L'opposition, la majorité, la société? Non, c'est une question difficile. Je crois que on ne saura pas y répondre. Mais même si je plaiderai pour la majorité ou l'opposition, je ne le dirai pas. Ah bon? Paul Diakessé, toujours indépendant. Ça n'a pas changé? Toujours, oui. Jusqu'au retour du Christ. Oh, indépendant. Enfin, vous êtes pasteur par ailleurs. Il faut signaler que vous êtes indépendant, peut-être parce qu'on n'est pas dans Géopolis ou à la RTNC. Oui. Ou pas vraiment. Mais l'indépendance, assume son travail. Mais la RTNC, c'est non seulement le pouvoir du peuple. Là, vous parlez de Ludor Balekelaï, mais aussi c'est l'église au milieu du village, Ludor Balekelaï. Une petite fléchette, juste pour commencer. Non, bon, je ne vais pas répondre. C'est sympathique, hein? Je ne vais pas. Oui, mais c'est sympathique.
Oui, c'est un clin d'œil. Je le lui conseille. Nous sommes en démocratie, mais je crois que c'est au peuple de juger. Au peuple de juger. De quel côté je suis. Ah. Oui. Et de quel côté se trouve et le pouvoir du peuple, voilà, et la RTNC. Exactement. Bon. Mais surtout le pouvoir du peuple. Je parle l'autorisation d'engager la RTNC. Oui, voilà. On a dit c'est. Sans engagement. Oui, oui. C'est l'éditeur responsable, oui, du pouvoir du peuple. Voilà. Alors, on gardera le meilleur pour la fin, il ne faut pas dire la madame pour la fin. Et le mastodonte, pour ne pas dire la pierre angulaire de la presse congolaise, Willy Kalengai. Chaque fois qu'on le fait venir, c'est quand on sent qu'il y a des gros sujets à décortiquer. Vous le faites souvent des faux, hein? Ben, il faut toujours laisser la place aux autres aussi. C'est un club qui doit être dynamique. Je ne voudrais pas m'y installer et faire domicile ici. De temps en temps, il faut toujours être téléspectateur pour suivre les autres. Développer la capacité d'écoute est aussi une qualité. Alors, je fais un clin d'œil à nos amis de Vox Africa, qui est dit depuis Londres, parce qu'ils ont aussi dans leur... ils ont une émission qui s'appelle Sans Rancune, réserver une place au club. En général, quand il faut la revue de la presse internationale, ils disent au club 50 à Kinshasa, ils ont dit que. Alors, ils ont, oui, évidemment, Eric Nindou, oui, que je peux saluer en passant, qui est un brillant journaliste, un Congolais, mais qui est déjà à l'international. Vox Africa, c'est. Eric Nindou, oui. Il travaille bien, il a fait énormément beaucoup d'interviews. Je crois que c'est une très bonne chose que nous, les journalistes, nous communiquons de temps en temps et nous échangeons. Non seulement nos points de vue, mais aussi que nous puissions nous affronter sur les chemins du débat et des idées. Absolument. Erin Gindou, d'ailleurs, qui aura de l'espace sur Télé 50 pour diffuser son émission économique. Alors, je disais qu'on a zébré notre club aujourd'hui, Barbara Nzimbi, qui continue à être journaliste, hein, n'en déplaise à ceux qui pensaient qu'elle avait pris les larges, non ? Toujours ? Congo Web ? Congo Web ? Voilà, elle est dans Club 50. Elle a été suspendue sur Club 50. Ah non, non, c'est ça qui suspend. C'est l'UNPC qui suspend sur recommandation du CESAC. Il faut que ça soit appliqué. Alors, on fera un bon débat. Il faut pas perdre le nom. Le CESAC est impuissant devant la RTNC, il faut le dire. Parce que les journalistes qui étaient suspendus, ils continuent à travailler normalement. Mais peut-être qu'il faut dire que, en vertu de quoi l'UNPC doit être suspendu des journalistes. Et c'est l'autorité de raison. Toujours que l'UNPC est né à l'époque du Thésard, à l'époque de Parti Unique. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir plusieurs syndicats de journalistes. Donc, le monopole, l'UNPC n'en a pas. J'aide aussi, est un syndicat des journalistes, comme le FFE. Ne sortons pas du cadre du débat, parce que. Oui, c'est un débat. Ne sortons pas du cadre du débat. Mais on pose quand même la question. On fera ces débats avec les textes à l'appui. Vous sentirez bien que l'UNPC a effectivement ce monopole. C'est un ordre. Revenons dans le club. Revenons dans le club. Justement, comme vous avez la parole, vous allez la garder. Paul Diakhtessié, on l'a dit en préambule tout à l'heure, on a beaucoup spéculé sur le calendrier global, d'aucuns disaient non avec le calendrier alternatif, on allait suspendre le côté opérationnel des choses, la CENI a déjà fait l'intérieur du pays, les consultations avec la société civile, le code de bonne conduite a été signé depuis hier déjà. Les partis politiques agréés, déposés par le ministère de l'Intérieur, la machine a déjà enclenché. Autrement dit, les gens de l'opposition ne pensaient pas bloquer la chose, mais la chose continue. Tout cela est cosmétique, Jean-Marie. Cosmétique? Oui, c'est dangereux pour le pays. Mais c'est un processus qui est enclenché. Qu'est-ce qui est cosmétique là-dedans? Oui, le processus est enclenché, mais est-ce qu'il est honnête, ce processus-là, il faut le dire ainsi. Et on est sur base des textes. D'abord, je dirais, d'abord, le texte, on en parle là, je dirais d'abord qu'il y a une relation adultérine entre la CENI, notamment la tête, et la majorité.
depuis 2006. Moi, je n'ai jamais entendu la majorité critiquer ou ne pas être d'accord avec ce que la CENI publie. À tout moment, la majorité accompagne. Alors, cette relation-là, elle a du terrain très, très néfaste pour le pays. Et deuxièmement, vous parlez des textes. Je ne sais pas si vous avez lu la loi, l'ordonnance de l'État, l'ordonnance pour la loi électorale. C'est sorti, c'est diffusé, c'est sorti, signé le 12 février. Et à la même date du 12 février, le calendrier électoral est sorti au 12 février. Or, mais vous êtes en retard. Oh, attendez. Or, la loi en vigueur veut que avant, il fallait attendre que cela soit publié dans les journaux officiels. Les journaux officiels l'ont publié le 17 février. Alors, ça devait être 5 jours après, donc ça devait se faire le 22. Donc, si on avait une cour constitutionnelle digne de son nom, on allait tout capoter, vous rejeter, parce que ce n'est pas légal. Troisièmement, nous soutenions que c'est sous pression que la CENI a publié le calendrier. Parce que. Sous pression de qui? Même si vous constatez. Sous pression de qui? La pression interne et externe. Les manifestations du 19. S'il y a un besoin d'un calendrier qui soit publié, où est le problème? Mais il faut que le calendrier respecte les normes. Donc la pression, les manifestations du 19, 20 et 21 n'y sont pour rien. Et d'ailleurs, quand vous lisez le calendrier, c'est pas Malumal qui a signé, c'est le vice-président. Alors ça, c'est un message qui cache beaucoup de choses. Pourquoi lui n'a pas signé? D'autant plus que c'est un document important. Peut-être qu'il a entrevu lui-même les incohérences qui se trouvent dedans. Et dans ces calendriers, Jean-Marie, on commence par le local. Alors, quand vous lisez ces calendriers, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas de fausseté, mais il y a des irréalismes assez criants au point mais qu'on se pose la question. Mais vous êtes un peu en retard, Paul Diaké. C'est parce que quand on a écouté un peu certains maîtres à penser, dont l'Union européenne, l'un des membres était à Kinshasa. Un, il a félicité, remercié. Quand on écoute les membres de la société civile qui malheureusement le consulte tous les jours, il félicite, il remercie. Les partis politiques eux-mêmes commencent déjà à s'organiser. Certains ont déjà commandé les calicots pour les locales, etc. Mais l'analyse que vous faites est un peu en retard. J'ai l'impression que nous ne sommes pas dans un même pays, le même espace avec vous. Mais ce que vous dites, c'est pas ce que moi je constate. Parce que si vous lisez le Tundula dans sa tribune, il remet en question même ses calendriers. Donc je ne suis pas le seul. C'est pas question de position du pouvoir. Le Tundula, un cerveau assez bien connu dans ces pays, mais également une figure de poule de la majorité, dénonce le caractère un peu désordonné de ses calendriers. Et ça, c'est un problème. Parce que si nous commençons par le local, la CENI est déjà en retard par rapport à ce qu'elle a prévu pour le local, ça ne marchera pas, donc nous tombons. Donc, si finalement. Nous allons tout droit contre le mur, et malheureusement, pour ce calendrier signé par le vice-président, pas Malumalu, j'insiste sur ça. Mais ça, il ça est. Beaucoup. D'après le texte habilité à le faire, malheureusement, cherchez pas le vice là où il n'y a pas. Vous m'avez posé la question, je suis en train de répondre. Allez-y. Donc, il fixe déjà la date de la remise et reprise, la personne de serment du chef de l'État. Or, si nous allons avec ce local tel que prévu par Malumalu, ça ne marchera pas. C'est que c'est déjà une situation assez bizarre qu'on prépare, parce que l'opinion se dit, ok, à cette date-là, il faut que le président élu entre en fonction. Or, si nous suivons la logique de ce calendrier, ça ne sera pas faisable. Mais vous pensez qu'au Congo, il n'y a que l'élection du président qui compte ou quoi? Parce que peut-être que lui dort à l'équipe. Ça vous dérange que ça ne puisse pas avoir lieu ou que ça puisse avoir lieu? Non, j'ai dit tout simplement que la démocratie dont vous parlez souvent, les mamas de Kinshasa, qui doit se retrouver, si cette maman de Kinshasa est élue maintenant, c'est représentant, où est le problème? Ce calendrier est illégal, c'est noir sur blanc. Non, alors lui dort à l'équipe. Est-ce que, nonobstant les réserves et souvent les analyses, quelquefois, qui s'écale les unes après les autres de Paul Diaké. Est-ce que la machine n'est pas déjà enclenchée et que ceux qui pensent peut-être la cripper au fur et à mesure vont peut-être la rattraper très, très, très tard et ils auront des petits soucis? Parce que l'IDPS, on a écouté Jean DTP dire non, nous on est prêts pour aller aux élections. Exactement. Non, mais d'abord le dialogue pour l'IDPS. Oui, entre-temps, ils sont pour les deux. Non, mais ils n'ont pas signé, ils ne sont pas fait enregistrer. Oui, Paul Diaké prophétise, c'est un pasteur. Que le calendrier ne sera pas réalisable. Comme la fois passée, je ne lui promets pas de marcher sur
les pas de son prophétisme en ce qui concerne la non-réalisation de ce calendrier. Mais je dois noter en passant pour son information que si le président de la CENI n'a pas signé le calendrier, c'est parce qu'il n'est pas...